Aberdeen, vient d'abriter le premier camion de collecte de déchets à pile à combustible à hydrogène au Royaume-Uni, suite à son approbation par le conseil municipal d'Aberdeen, pour stimuler davantage l'économie H2 déjà florissante de cette ville. Le véhicule sera propulsé par du H2 vert, au lieu du diesel ou de l'essence utilisée par le reste de la flotte. Le camion de déchets à pile à hydrogène pourra se ravitailler, en utilisant l'infrastructure de ravitaillement H2 déjà en place à Aberdeen. La ville a approuvé un certain nombre d'autres projets utilisant le carburant sans émission, menant à une infrastructure existante que ce nouveau véhicule pourra utiliser. Le camion a été dévoilé par le conseil lors de son annonce. Cela dit, il ne commencera pas à collecter les déchets et le recyclage de la ville avant début mars. Ce sera le premier véhicule alimenté au H2 non seulement dans cette flotte, mais dans toute flotte de collecte de déchets opérant au Royaume-Uni. Il commencera par entretenir les bacs roulants à Bridgehoveden, Garfdé, Kinkorf, Maastricht, Militimbé, Nevils, Rubislavé ou de Sidilton. Après cela, il passera par d'autres voies, y compris le recyclage mixte et les bacs en vrac. L'utilisation du camion à ordures à pile à combustible à hydrogène devrait permettre une réduction notable des émissions de carbone. Chaque voyage utilisant le camion à ordures alimenté au H2, devrait permettre d'économiser plus de 25 kg d'équivalent CO2 par litre. Ces données sont basées sur les émissions des camions diesel parcourant des itinéraires similaires. Cela dit, le véhicule collectera ses propres données au début de son utilisation. Cela permettra de mieux comprendre les économies de CO2 générées, et la meilleure façon de mettre en œuvre d'autres déploiements de véhicules similaires. Permettre un transport vraiment vert est un livrable clé dans notre plan visant à fournir la vision net zéro d'Aberdeen, et nos propres plans pour remplacer notre flotte de véhicules par des véhicules à carburant alternatif, a déclaré la conseillère Jenny Lay, chef du conseil municipal d'Aberdeen. L'ajout d'un camion à ordures alimenté uniquement à l'hydrogène, est une autre étape importante et s'appuie sur les bus zéro émission et d'autres véhicules du secteur public, qui sont déjà ici dans la ville. Notre travail a été révolutionnaire, et les habitants d'Aberdeen peuvent être fiers que notre ville se révèle être un catalyseur, pour démontrer comment la flotte du secteur public peut être décarbonée, en donnant l'exemple à d'autres régions du Royaume-Uni et au-delà, a ajouté Ryan Houghton, conseil municipal d'Aberdeen, responsable de la croissance et des ressources de la ville, dans une déclaration sur le nouveau camion à déchets à pile à hydrogène. Merci d'avoir choisi hydrogenefuelnews.com. Ne manquez pas votre accès gratuit à notre e-book exclusif, inscrivez-vous dès aujourd'hui. Suivez cette histoire et plus sur HFN.